Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, ici-et-maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassi. Bonsoir mes chers amis. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Et vous avez bien écouté tout à l'heure les propos de notre roi Macron. Roi Macron réunit en congrès le Parlement et le Sénat. Et pendant plus d'une heure, il a parlé pour vous et avec vos élus. Alors, je crois que cette fois-ci, vous avez aimé ce qu'il vous a dit. Il a commencé par la pauvreté et beaucoup d'autres choses. Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va faire? L'année prochaine, mesdames et messieurs, vous avez la parole. C'est-à-dire l'année prochaine, les sénateurs, les parlementaires, ils ont la parole. Ils peuvent poser des questions. Et ils peuvent dialoguer avec le président Macron. Ça, c'est nouveau. Lui, il a promis ça. Et on va voir ce qui va passer. Alors, vous avez la parole. N'oubliez pas tout de suite. Tout de suite, vous pouvez nous appeler pour vous exprimer et vous nous donner vos idées au sujet de l'intervention du président Macron tout à l'heure. Demain, il va aller à Moscou, en Russie, enfin, oui, pour soutenir l'équipe de la France. Allez, la France, Thomas! Allez, la France, et la France va gagner. Après, il va aller au final. Et encore une fois, à l'époque, vous vous rappelez, c'est Jacques Chirac qui était président. Quand Zidane, il avait frappé le joueur italien. Vous vous rappelez, là? Quelle histoire à l'époque! Et quelle position courageuse de Jacques Chirac à l'époque. Oh là là! C'était bien. Et l'histoire, il est bien. L'histoire est bien, mes chers amis. Allez, 08 92 23 95 20. David Abbassi est avec vous. Et vous, vous êtes là. Vous pouvez vous exprimer, mes chers amis. Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A.
L'humeur du temps, tous les lundis, dès 23h, et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassi en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm. Quelle méthode de pouvoir vous préférez, mes chers amis? Est-ce que monarchie, c'est de dictature? Et pourquoi le grand colonisateur du monde, Grande-Bretagne, est en monarchie? Il est en monarchie et vous voyez, il règne ce pays. En Angleterre, Canada, Australie et en autre partie du monde peut-être qui n'est pas officiellement déclaré, mais gouverné, colonisé par la Grande-Bretagne. C'est la monarchie de Grande-Bretagne. Quel est l'avantage du pouvoir républicain et l'avantage du monarchie? Et est-ce que tous les 4 ans, 5 ans, avant c'était 7 ans, on change de président et on va tout changer? Tout! Parce qu'un président, quand il vient, il change tout. Service secret, les entreprises d'État, qui soient, par exemple, SNCF, Télécom, pour la plupart des choses actuellement, c'est privatisé. Mais de temps en temps, c'est vous savez, beaucoup de changements, enfin. Surtout aux États-Unis, vous voyez, le patron de CIA, on le change. FBI, il va donner la place à quelqu'un d'autre, tac, 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 tout ça, tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, un nouveau patron. Et les sociétés qui déposent le bilan tous les 4 ans, et ils changent de direction. Nous savons très très bien qu'ils ne marchent pas bien, les sociétés, des entreprises privées ou professionnelles. L'entreprise marche bien, qui est familiale. Il y a le patron, c'est le papa, après il donne à son fils. C'est des grands capitalismes du monde, si vous l'avez, vous le voyez, ce sont des gens qui géraient leurs affaires familialement. C'est comme monarchie. Alors, l'attitude de Macron, pour la plupart des gens qui aiment, c'est quoi? C'est peut-être ça, hein? Et il a bien compris. Côté monarque. Côté monarque, il n'a pas honte de l'exprimer, de le dire, de le montrer enfin, tout ça, un jeune garçon comme lui. Et surtout avec l'histoire de Versailles chaque année. Mais ça dépend de vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y en a de toutes les tendances sur cette antenne. Si vous en voulez vous exprimer, pourquoi pas, vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Thank you.